Le monde est le roi des rois et seul digne de recevoir toute louange. Lui qui est devenu notre sauveur personnel a promis de ne pas nous laisser seuls. Selon qu'il est écrit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Oui, il est là, en nous, avec nous, parmi nous, autour de nous, partageant et contrôlant nos vies. Nous croyons sa parole et nous nous réjouissons de sa merveilleuse compagnie. Seigneur, allez-le, il est là, j'ai tout.
La sœur Laetitia, bonjour. La France dans la sainteté, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, shalom tout le monde. Aviri Châtillon, le couple Ngabo, bonjour. Bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Amen. Amen. Mm-hmm. Du côté de Limoges, le couple Achille, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Comment vous allez vous deux particulièrement? Pourquoi particulièrement? Particulièrement ton épouse, comment elle va aujourd'hui? On a un rendez-vous qu'on n'a pas encore respecté jusqu'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va en parler. Avec le pied. Voilà. Le pied. C'est, je crois que c'est de ça que j'avais parlé. C'est ça, non, ma soeur? C'est ça, mon frère. N'aie pas peur, d'accord? D'accord, frère. Le frère Pierre Moura, bonjour et bienvenue. Le frère Pierre, bonjour et bienvenue. Son micro est coupé là. Mon frère bien-aimé Mamadou Kamagate, bonjour et bienvenue et bon retour des côtés de la Côte d'Ivoire. Le frère Mamadou, tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonjour, shalom tout le monde. Comment tu vas aujourd'hui? Oui, ça va, ça va. Que la grâce, à la grâce de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Amen, amen, amen. La sœur Marie-France Sophie de 97 Boulevard Davout, bonjour. La sœur Marie-France, elle est là, elle, je crois que son micro également dérange. La sœur Nafissa, bonjour, du côté de Bordeaux. Bonjour, bonjour, moi je ne suis pas à Bordeaux, je suis sur Dax. Tu es à Dax? Oui. Bonjour, alors, bonjour alors à Dax. Bonjour, shalom, shalom. Shalom, shalom. La sœur Laura Landreau, bonjour, toute la famille. Ton mari est rentré maintenant, tu es content. Bonjour. Bonjour, frère Junior. Ton mari, il est où? Où est mon frère? Il arrive. Il arrive. Bah, comment vont les enfants? Ça va, frère. Quand il est rentré, tu étais content, n'est-ce pas? Tu ne me gérais plus, quoi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mm. La sœur Ketia Makumika, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour frère Junior. Ça va? Oui, ça va. Bon, ça c'est clair que c'est pas ton bébé là-bas, n'est-ce pas? Non, non. Voilà. Non, pas du tout. Mm. La sœur Paul Gertrude, bonjour et bienvenue. Bonjour frère Junior, bonjour tout le monde. On ne te voit pas. Bonjour. Ton mari va bien, n'est-ce pas? Il va très bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Le frère William Conrad, bonjour. Bonjour frère Junior. Tu n'es pas dans les transports, le transport public, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, non. Ok, donc ça dit que tu es stable. Ça dit que tu peux nous donner une exhortation aujourd'hui. Oui, qui encore? La sœur Marie-France. Sœur Marie-France, si tu nous écoutes, sache que ton micro n'est pas ouvert, donc on ne t'entend pas si tu es en train de parler. La sœur Marie-France de 97 Boulevard Davout, bonjour. Le frère Pierre, ton micro est ouvert maintenant. Le frère Pierre, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour frère Junior, bonjour à tout le monde. Mmh, toujours à la même position. Recevez ainsi le bonjour du frère Marcelin de Nsimalem. Nous sommes en Nsimalem à Yaoundé, du côté de Yaoundé maintenant. Bonjour, bonjour à toute la communauté. Bonjour, bonjour. 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 Je suis vraiment content de faire bonjour. Votre connaissance. Bonjour, bonjour et shalom à tout le monde. Shalom. Bonjour. Donc, on passe de bons moments ici. Bien, frère. Donc, c'est bien comme vous savez que je suis à Yaoundé pour le moment. C'est comme vous entendez là maintenant. N'essayez pas de contacter les gens pour dire que je suis là parce que dans 11 heures, je vais rentrer sur Douala parce qu'il connaît la sœur Julie là. Elle va prendre le téléphone et dire qu'il est à Yaoundé. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc le frère Pierre, ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu.
L'autre semaine, nous voyons la révélation du notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons eu une interruption. Je crois que à ce rythme, là où nous sommes arrêtés, c'était déjà compréhensible pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est quel enfant qui parle du frère Junior là comme ça? C'est Cyril. Ah, mon bébé Cyril. Bonjour mon bébé, bonjour, ça va? Ouais. Le frère Willy Landreau, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. De retour de la mission du Tchad, maintenant en plein là, dans le froid. Donc, du chaud au froid. Tu souffles le chaud et le froid, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Oui. Je suis content de te revoir maintenant à la maison. Merci, merci. Tu as fait un bon voyage, n'est-ce pas, mon frère? Oui, ça s'est bien passé. Long, mais ça s'est bien passé. Amen, amen, amen. Que la grâce, la paix, l'amour et la puissance de notre Seigneur Jésus te couvrent toujours et toujours. Amen, merci, amen. Donc, je crois que peut-être tu peux nous donner quelques sujets de réflexion durant ces moments, durant le passage au Tchad, parce que le Seigneur certainement sera avec toi. Wow. Non, j'ai pas forcément de sujet. Je suis toujours aussi inquiet pour l'avenir et l'année qui nous attend, voilà. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'année va se passer tranquillement, mais je ne suis pas convaincu de ça. Je pense que l'année va pas être facile. On en a pour preuve de ce qui s'est passé pour l'instant entre le climat. Le climat qui se passe, par exemple, ici en France, bien sûr, mais toutes les décisions politiques qui se prennent, voilà, je trouve que les gens ne réagissent pas, ne acceptent un peu trop facilement ce qui se passe dans chaque pays, hein. Moi, j'étais au Tchad, il y a beaucoup de manifestations parce que le carburant est devenu cher. Il y a beaucoup de manifestations parce que les fonctionnaires, les professeurs des écoles, tout ça ne sont pas payés. Donc les problèmes ne sont pas forcément qu'en Europe. Ils sont aussi en Afrique. C'est la seule chose qui me rend sensible. C'est cette année-là. Et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui nous attend? Parce que beaucoup de choses vont être décidées et vont être pénalisantes. Ça va être pénalisant pour nous. Voilà. Qu'est-ce qu'ils feront faire, mon frère? Qu'est-ce qu'ils feront faire dans ces conditions? Pardon? Qu'est-ce qu'ils feront faire donc devant ces situations que tu décris? Tu veux dire quoi par là? Eh bien, dans ce cas, avec ces constats-là, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Qu'est-ce qu'on peut donc faire? Qu'est-ce que nous devrons faire? Prier, bien sûr. Prier, mais après, pour moi, il faut que ceux qui comme nous, là, prions et croyons donc en la parole, il faut qu'on passe au travers. Il ne faut pas qu'on se retrouve comme la plupart des êtres humains à subir ça. Donc voilà, c'est mon opinion. Amen. Et la famille, comment tu prépares la famille dans ces conditions? Comment? Comment tu prépares la famille dans cette condition-là? La famille. À part pour l'instant prier et demander, écarté de ça, pas plus, parce que moi je reste convaincu de ce que j'ai parlé il y a peut-être maintenant 4 mois, on va dire.
la manière de vivre. La manière de vivre. Moi, je reste convaincu là-dessus. Mais actuellement, non. Actuellement, simplement prier, simplement essayer d'être protégé contre tout ça. Contre tout ça, moi je voilà, c'est peut-être qu'il y en a qui iraient dire que je vois le mal, mais moi je suis très sensible au mal, je suis très sensible au mal dans tous les sens, au sens propre, et je reste convaincu que toute décision qu'on prend de la France, parce que moi on est en France là actuellement pour ma part, toutes les décisions qu'Emmanuel Macron prend, beaucoup de gens peuvent penser que c'est pas méchant, c'est faux. C'est comme une araignée, la toile d'araignée continue à se tisser. Donc j'ai pas en tête là, je suis désolé, j'ai pas en tête ce qui à quoi je pense, mais je sais qu'il y a des choses qu'il est en train de mettre en place, il est en train de convaincre les gens, etc., etc. Là, par exemple, un cas concret. Tout le monde critique la SNCF. Tout le monde critique la SNCF. Tout le monde critique cette entreprise qui appartient au pays. Ils annoncent des chiffres énormes pour montrer aux gens que c'est grave et tout. Il y a des gros problèmes de train, il y a des gros problèmes d'horaire et tout. Donc tout le monde est en train de se faire convaincre qu'on a affaire à une entreprise qui n'est pas sérieuse, qui n'est pas bien, qui a des gros problèmes d'argent. Et je suis persuadé qu'ils sont en train d'essayer de convaincre l'être humain, de convaincre toutes les personnes qui appartiennent à ce pays, qu'il faut arrêter, qu'il faut fermer la SNCF. Et beaucoup de gens vont dire, ben oui, il faut fermer cette entreprise, puisque de toute façon, elle a 50 milliards de déficits, etc., etc. Mais moi, pour moi, tout est fabriqué. Pour moi, tout est fabriqué. C'est une excuse pour que les gens perdent les avantages qu'ils ont dans ce travail, dans ce métier, etc., etc. Et il faut, enfin voilà, il faut. Moi, je vois le mal par rapport à ça. Après, sincèrement, frère, je n'ai pas en tête exactement qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. De toute façon, il y aura un effondrement d'un terrain là-bas qui va beaucoup causer de tort à la France, particulièrement à Paris. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Il y a un effondrement qui arrive et ça va les pousser à faire prendre encore des décisions politiques sur des anciennes constructions. Le frère Yannick de Paris, justement, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, shalom à tous. Bonjour, frère Vignon. Comment tu vas? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Tu es positionné sur ta table là-bas comme quelqu'un qui a une exhortation à donner. Y a-t-il quelque chose, une révélation à nous donner ce matin dans la France, dans la sainteté? Pas vraiment. Allô, le frère Vignon. Oui, frère Mamadou, on t'écoute. Oui, en fait, j'ai fait un songe où le Seigneur m'a montré que, je ne sais pas si c'est en France déjà, il y aura un tremblement de terre, je crois. Je ne sais pas si c'est en France, mais j'étais dans le même pays, dans ce pays-là, où ça s'est passé en fait. Oui. Quand il parlait d'effondrement, c'est ça qui t'a rappelé cela? Oui. Il y a un affaissement d'un endroit, ça va vraiment créer des problèmes. Oui, continue ton... Et j'ai vu un autre aussi, une autre vision où il y aura une épidémie, oui. Une maladie, je ne sais pas c'est quoi, où ils vont appeler les gens à aller se vacciner. Mais je ne sais pas, c'est le Seigneur qui va délivrer les gens, mais ils vont appeler les gens à aller se faire vacciner. Voilà. Et c'était où? Là, tu as une idée de la zone? Je sais pas, j'ai pas vu, mais je sais pas si c'est en France ou en Afrique, mais il y aura un truc comme ça qui va se passer. Un truc de vaccination ou je sais peut-être qu'ils vont demander aux gens d'aller se vacciner pour les je sais pas si c'est pour leur filer d'une maladie, mais je sais pas. Mais je sais qu'il y aura quelque chose qui va se passer, mais il y aura une épidémie. Oui. La sœur Angoba, bonjour et bienvenue. Pour ajouter quelque chose à ce que le père dit,
Mon frère, permets-moi de dire bonjour à ma soeur d'abord, on arrive. La soeur Anne, bonjour et bienvenue. Bonjour, ma frère et soeur. Merci. Ça va? Oui, ça, Mais, ça fait longtemps que tu ne m'as pas cherché. Ah, mais. Souvent, bon, je ne sais pas. Tu as raison. Et ma soeur dit qu'elle même, elle ne me cherche pas. Non, mais je te. C'est pas aussi facile de t'avoir. Non, mais vas-y, non, je te vois là maintenant. On se voit. Non, ah, d'accord. Alors, Viry Châtillon, vous avez l'antenne. Oui. Merci, Frère Junior. Non, c'était juste pour ajouter par rapport à l'épidémie dont il parle. En fait, ils sont déjà en train d'instituer des lois ici pour imposer la vaccination, en fait. Donc ça, c'est un débat à l'Assemblée. Je crois que c'est même déjà voté. Donc, on va imposer la vaccination aux gens. Donc, que tu le veuilles ou pas, il faudrait qu'on te vaccine. Vous êtes mal barré, alors. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'ils feront faire, mon frère? Hey, Junior. Oui. Le songe que j'ai vu, c'était sur le Cameroun, en fait. Encore nous. Donc, hier, cela, je crois que c'est 2-3 jours. La seule Gertrude, l'enfant veut prêcher. Coupe d'abord ton micro, on écoute d'abord la révélation. Parce qu'on dit que s'il y a des révélations, que les autres se taisent pour que la révélation soit donnée. Oui. Donc, il y avait des personnes qui sont placées dans les villes différentes au Cameroun. J'ai entendu le nom de Boumiebel. Je ne connais pas la ville, mais mon mari m'a dit que c'est à l'entrée de Douala. Donc, apparemment, il y a des gens, j'ai aussi entendu Maroua, le Nord et tout ça. On m'a cité plein de villes au Cameroun où les gens sont placés et qui attendent juste le feu vert. Donc, toutes ces personnes ont déjà encerclées, sont déjà placées dans différentes villes et ils attendent juste le feu vert pour commencer ce qu'ils ont à faire, en fait. Donc, je me suis levé parce que tu étais dans ce songe-là et tu posais les questions et on répondait. Donc, il y a eu tout ça. Donc, toi-même, tu étais là, tu écoutais. Et je me suis levé en fonction, je tremblais. Tellement, ce qui va se passer sera fort, quoi. Le Cameroun va enfanter de toute façon. Oui, le frère Mamadou, tu voulais encore parler? Oui, c'était au niveau de la Bible. J'ai des trucs que j'ai pas bien saisi, en fait, je voulais en parler. Oui, le frère Christian est là, ne t'inquiète pas. Je peux... C'est bon? Oui. Le problème du Cameroun... Oui, vas-y, mon frère, vas-y. Je crois que du côté de Bordeaux, le frère Willy, j'ai l'impression que le son est bas chez vous. Vous nous entendez bien quand tout le monde parle? C'est bon, là? Ok, c'est bon, merci. Vas-y, le frère Mamadou, vas-y. En fait, c'était au niveau de la Bible, au niveau de Genèse. J'ai pas compris, mais le Saint-Esprit m'a un peu expliqué. C'était Jacob quand il a combattu avec Dieu. Oui. À Genèse 32. Et donc du coup, j'ai pas compris pourquoi il a combattu avec Dieu. Et c'est après que le Saint-Esprit m'a expliqué que même Jésus-Christ a été crucifié, donc il restera toujours Dieu. Voilà, je suis parti dans la nouvelle alliance. Et là, je me suis dit, ben voilà, il a combattu, donc c'est normal, parce que je ne trouvais pas normal que Dieu combatte avec un être humain. Et après, je suis parti, le Saint-Esprit m'a dit, mais si Jésus-Christ, qui était Dieu, qui était sur la terre, qui a combattu avec les êtres humains qui l'ont crucifié. Ok, mais maintenant, je me suis posé la question. Si Jésus-Christ a combattu, c'était pour les écrits. C'était pour les écrits. Maintenant, dans l'ancienne alliance, je voulais savoir pourquoi là Dieu a combattu avec avec Jacob. Bonne question. C'était pour les écrits aussi. C'était pour les écrits aussi. Bon, le fait même pas qu'on. Donc je voulais savoir. Le fait qu'on ait déjà écrit ça, c'est l'écrit là déjà. Pas vrai? Oui. Oui, déjà, oui. Oui. Oh, oui, le frère Christian. Oui. La question est posée. Pourquoi Dieu a-t-il combattu avec Jacob? Parce qu'au moins, pour le Seigneur Jésus-Christ, d'après ce qu'il en a dit, pour le Seigneur Jésus-Christ, quand il combat, on sait qu'effectivement, il y a un combat pour les écrits. On voit effectivement comment c'est écrit que telle chose doit se passer. Mais qu'est-ce qui se passe avec le cas de Jacob? Pour le cas de Jacob, j'en ai dit en fait que si Jésus si Dieu a combattu avec Jacob, c'est une façon d'éprouver Jacob.
Était-il vraiment besoin de venir le boxer juste parce qu'ils ont boxé à coups de main, vraiment? C'était une façon de l'éprouver pour l'amener à quelque chose, pour l'amener à la révélation de son nouveau nom. Amen. Que Dieu te bénisse. Le frère Mamadou, tu as entendu ce que le frère Christian dit? Oui. J'ai entendu. J'ai entendu. Lorsqu'on voit le frère Yannick positionné, on sait qu'il arrive. Il y a quelque chose qu'il va dire maintenant. Frère Yannick, ça brûle depuis dans la semaine. Oui, Yannick. En fait, ça n'a pas spécialement quelque chose à voir avec, avec ce que dans le Coran qu'on est en train de suivre. En fait, c'était plus personnel. C'était une question, en fait. Je voulais savoir, lorsque tu dors... Moi, il ne dort pas, frère. Quand tu... Parce que... tu as dit c'est personnel. Tu dis que ça t'adresse à moi, mon frère. Oui, enfin, j'ai une question. C'est une question, en fait. J'aimerais, que, j'aimerais aussi partager pour savoir ce que ça veut dire. Oui. Et que tu as un passage précis auquel tu n'as pas pensé du tout de la journée. Oui. Qui pendant le songe, s'imprime dans ton cœur. Je voulais savoir ce que ça veut dire. Voilà. Voilà le frère Achille qui est là, il est positionné prêt à répondre. Voilà. Bon, je n'ai pas d'élément particulier de réponse. Donc, tu n'as jamais dormi et obtenu ce genre de choses, mon frère? Si. Si. Si, mais ça veut juste dire pour moi que il faut vraiment méditer sur ce passage. En fait, moi, généralement, ça m'interfère dans le sens où ça veut dire qu'il y a quelque chose, soit je demandais, soit que j'essayais de comprendre, et justement, Dieu m'éclaire à travers ce verset-là. Donc, il faudrait que je médite et je rentre sur ce verset pour essayer de comprendre les questionnements que j'avais auparavant, parce que ce verset-là vient en lumière, ça, en fait. C'est dans ce sens que je comprends. Ok, ouvrons dans les Saintes Écritures, on va lire deux passages et puis on va y revenir pour les explications de ces choses concernant cela. Ouvrons d'abord le livre de Job au chapitre 14. Quelqu'un a son téléphone déposé tout autour à côté, là, qui est en train de vibrer. C'est pas, c'est la sœur Anne, c'est chez la sœur Anne. Ça vibre de temps en temps. C'est pas moi. C'est qui là? Ça doit être moi. J'ai un problème avec ce téléphone, il vibre tout le temps pour rien. Je sais oui. pas. Ok, Job chapitre 14. On va lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 33. Ou bien. On va, chapitre 30. Oh mon Dieu. Chapitre 30. Vous y êtes. Notez cela. Chapitre 30, 31 à 33. Mon frère Yannick, ça continue à vibrer là. Ouais, je crois que je ne vais pas lire aujourd'hui. Je vais couper mon micro. Le frère Pierre, tu crois que le son est bon chez toi? Le frère Yannick, ton micro n'est pas coupé. Le frère Pierre, c'est que c'est bon chez toi, le micro? Oui, le micro est bon. Oui, ok, bien qu'il y ait le son. Donc, alors, chapitre 33, lisons à partir du verset 14 maintenant. Chapitre 33. Verset 14 à 10, à 18. Bonjour, frère. Bonjour, mon frère. Comment tu vas ce matin? Oui, je vais bien. Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Bienvenue à la réunion. Merci, amen. Bon, je ne suis pas seul dans le panel, comme tu as vu sur ton écran. Tu as salué seulement le frère Julien. Oui. Bonjour, mon frère. Bonjour, bonjour, frère. Bonjour. Donc, tu m'as salué seulement bonjour. Nous deux ici. Donc, c'est seulement nous deux que tu vois sur ton écran. Tu vois encore qui? Oui, c'est vrai. Vous avez raison, c'est vrai. je pensais qu'il était de l'autre à côté, quoi. Voilà. Oui. Voilà. C'est vrai que vous êtes ensemble. Mais en dehors de nous, donc sur ton écran, c'est nous deux que tu vois. Oui. Tu es sûr? C'est vous deux que je vois. Il n'y a plus une autre personne sur ton écran. Les frères et sœurs qui sont là. Bonjour les frères et sœurs. Bonjour.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans Job chapitre 33, les versets 14 à 18. Job. Oui, Job 33, versets 14 à 18. Allons-y, mon frère. Job, chapitre 33, versets 14 à 18. Oui. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Amen. Donc, le verset 15 dit qu'il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il les donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil. Donc lorsque nous dormions, nous ne sommes plus sous notre contrôle. À cet instant, tout peut nous arriver. Et très souvent, donc, Dieu donne des avertissements dans les songes. Maintenant, on va voir un de ces choses. C'est pour ça qu'il dit qu'on va prendre deux personnes, on va lire, on va parler dans ces contextes, dans ce que notre frère Yannick a dit. Et beaucoup de personnes passent par là. Il y a des gens qui ont des songes la nuit, se lèvent le matin, oublient même la chose qu'ils ont vue. Plus tard, peut-être un, deux jours, bien une autre fois, ils voient quelque chose se dérouler devant eux. Subitement, ils ont comme une pression qu'ils ont déjà vu cette chose-là arriver. Au point où la personne, il commence à réfléchir, mais j'ai comme l'impression d'avoir vécu cet événement-ci. Dans le songe, il lui a été montré cela, mais comme on le prend point garde, comme la Bible déclare ici, on voit manifestement comment on est dans la chose. Vous voyez, vous pouvez voyager, vous faites des accidents, parce que les choses ne peuvent pas arriver comme ça à l'être humain sans que Dieu n'ait prévenu. Vous voyez, les gens voyagent, 70 personnes dans un bus, et les 70 personnes, le bus fait l'accident, pam, toutes les 70 personnes meurent. Ce n'est pas normal. Dieu avertit toujours. Que ce soit les païens ou que ce soit les chrétiens, Dieu avertit toujours, même chez les païens. Dieu avertit pour préserver les gens de ces choses-là. Mais on ne prend pas garde. Allons dans le livre de Daniel au chapitre 2. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Daniel chapitre 2, si vous y êtes. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Que notre Père vous bénisse. Que notre Père vous bénisse. Dans Daniel chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1. Je vais lire à partir du verset 1. Suivez très attentivement dans votre Bible. Et on va arriver là où cela se doit. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut un songe, eut des songes. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. La sœur qui dit bonjour et bienvenue. Nous sommes dans le livre de Daniel au chapitre 2. Nous sommes au verset 3. Pour... Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Verset 7, il répondit pour la seconde fois que le roi dit le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Verset 9,
Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez, écoutez bien le verset 9. Écoutez très attentivement le verset 9. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. Vous avez vu l'expression dans cette, vous avez vu l'expression dans sa, dans son, dans sa parole, n'est-ce pas? Là, il parle avec les magiciens, comme les rois généralement consultent les marabouts et au-delà. Il dit, vous voulez me perdre comme ça le temps en attendant que les temps soient changés. Or, ce qu'il a dit dans sa phrase, c'est le contenu même de son songe. Regardez, il dit, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais un roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioch exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui d'accorder du temps pour donner au roi, l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Hananias, Mishaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret, écoutez très attentivement, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom des dieux d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioch, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et il lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arioch conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et à qui et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Puis dit, « Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Maintenant, je vais m'arrêter. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regardez-moi maintenant. D'après ce qui est écrit ici, la Bible déclare là que le roi de Nebuchadnezzar, en allant dormir, était couché sur son lit pendant qu'il méditait. Subitement, il a vu son royaume, l'expansion et sa grande puissance. Il a commencé, la réflexion lui est venue, il dit, mais ok, maintenant, tout ceci maintenant, après moi, comment seront les choses? Quand il a pensé à cela, il a dormi, Dieu est venu donner la réponse. Et la réponse qu'il va avoir, c'est contenu jusqu'aux prophéties du même royaume du Seigneur Jésus. Donc, Dieu lui a donné la description jusqu'au royaume du Seigneur Jésus, jusqu'à ce que tous les temps finissent. Donc, c'est la pensée qui lui est venue à cœur, surtout seulement de savoir, qu'est-ce qui va arriver à la suite de mon royaume? Qu'est-ce qui va arriver? Ok, je suis le roi. Si je meurs, qu'est-ce qu'en viendra-t-il de demain? Cet questionnement qu'il s'est posé dans son âme, Dieu a plongé dans son cœur durant son sommeil pour lui donner les réponses. Vous pouvez vous avoir posé des questions sur un sujet. Vous faites 2 ans, 3 ans, vous ne savez pas que vous avez posé cette question. C'est un message envoyé dans les cieux. Des sujets de prière ne sont pas obligés d'être répondus instantanément. Par conséquent, certains font certains sujets de prière. Après, ils oublient même. Quand Dieu a exaucé, on ne sait même pas que Dieu a exaucé. C'est plus tard qu'on se rend compte qu'on a eu ce qu'on avait demandé.
Donc, durant nos sommeils, donc, Dieu vient à nous pour nous donner des interrogations de notre esprit, de nos pensées. C'est le cas du roi Nebuchadnezzar. Et là, Dieu lui a donné cela, et pour montrer sa souveraineté sur sa vie, a retiré le songe dans ses pensées. Quelque chose est arrivé à Nebuchadnezzar qui arrive à beaucoup de personnes. Quelqu'un qui rêve et qu'il oublie le lendemain ce qu'il a rêvé. Mais là, il avait l'esprit angoissé, l'esprit troublé au point où il ne savait pas ce qu'il faut faire. Là maintenant, non seulement il tapait sa tête tout au long du palais pour savoir ce qu'il a vu dans la nuit, mais il sait que c'est quelque chose de significatif, mais il ne parvient pas à percevoir quoi, parce que ça lui a échappé. Et donc, humainement parlant, il a cru que les magiciens pouvaient venir lui dire par certaines alchimies, essayer de lui dire ce qu'il a rêvé, puis donner l'explication. Eux-mêmes, ils ont dit que nous faisons la magie. Mais l'autre aussi là, le genre des magiciens qui peuvent dire ça, ce sont les dieux qui ne sont pas de dimension de l'homme. Et donc, Daniel allait prier Dieu. Dieu lui a dit le songe que Nabucodonosor a eu. Non seulement il a dit le songe, il a donné les circonstances qui ont amené ces songes. Il lui a dit, quand tu allais dormir, il t'est monté à cœur. Frère, avant de faire ces choses, vous devez savoir en qui vous avez cru, qui vous a parlé. Il se tient comme ça devant le roi, celui qui peut ordonner qu'on te coupe la tête là. Il lui dit ce qu'il a fait avant d'aller dormir, puis il lui dit le songe qui est venu. À l'instant où il lui rappelle le songe qui est venu, la personne qui a vu le songe sait de quoi il est question. Il sait que c'est exactement ce qu'il a vu durant la nuit. Il se rappelle, ça lui revient comme un songe justement. Et quand il lui donne le songe, là maintenant, à 100% sur Nebuchadnezzar, c'est que s'il a pu détecter le songe, l'explication qu'il va donner sera effectivement juste. Et là, il lui a donné le songe. Vous pouvez donc voir maintenant ces grandes tables-là. Vous pouvez lire la suite, voir le grand table dont il est question, où il va donner la description que c'est Nebuchadnezzar. On va couper, ainsi de suite. Alors, lorsque les versets vous viennent à l'esprit durant votre songe, vous devez faire attention. Lorsque vous n'y avez pas pensé, vous devez faire attention. Y rentrer et méditer. Que Dieu vous bénisse. J'ai une question par rapport à... Et les songes qui ne viennent pas de Dieu, parce que souvent, il y a des songes que, quand on se réveille, on sait que ce songe, ça ne vient pas de Dieu. Parfois, c'est comme on dit généralement, des mauvais songes, des attaques, des trucs comme ça. Et il y a des songes qu'on a la certitude que c'est Dieu qui nous avise, que c'est Dieu qui nous parle. Comment on fait? Et parfois, c'est... à un certain moment, on a la confusion. Si c'est songe, en fait. On a la confusion. On a la confusion peut-être parce qu'il y a peut-être dans une nuit, deux songes. L'autre qui ne vient pas de Dieu et un songe qui vient de Dieu. Et le matin, on est troublé, en fait. On ne sait pas vraiment dans quelle position, dans quelle situation se tenir, donc, en fait. Donc, quand tu fais comme ça, comme tu as les deux sons dans la nuit, en journée, tu manifestes pour Dieu, puis pour Satan. C'est simple, n'est-ce pas, frère? Non, on est troublé parce qu'on a un problème, parce que souvent, bon, c'est ce qui m'arrive, moi, je parle de moi, oui. Parce que souvent, j'ai un problème de discernement, en fait. Ok, allons-y. Allons dans la parole. On est dans la parole là-dedans. Je crois qu'il y a un enseignement sur Bamba Iba concernant les songes. D'accord? Faisons quelque chose maintenant. Allons dans 3 ou 4 passages de l'écriture. Voyons quelque chose et laissons le Seigneur nous y conduire. D'accord, frère? D'accord. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste, le chapitre 5. Frère Junior. Oui. Oui, je voulais poser une question. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire dans le cas où on fait des rêves? Et on les oublie, et c'est quand on est peut-être face à l'événement qu'on se rappelle. Qu'est-ce qu'on doit... Voilà, ce qu'il faut faire après les songes nocturnes. Ce qu'il faut faire après les songes nocturnes, n'est-ce pas? Nocturne, oui. C'est l'objet. Donc, même ça, c'est oui. Déjà, mon autre question est celle de savoir. Et je crois que j'ai suivi l'enseignement. À l'intérieur, tu dis, généralement, quand on fait des rêves où on est à l'école, oui. C'est-à-dire qu'on est en train de peut-être fréquenter et tout. Ça veut dire qu'on est en train de suivre la formation du Seigneur, quelque chose comme ça, je crois. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'on doit se comporter, justement, après avoir reçu un songe pareil, surtout quand c'est répétitif? Bonne question. Bonne question. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui rêvent qui sont sur les bancs. Ils rêvent qui sont sur les bancs. Ces songes sont différents de ceux, par exemple. Il y a des gens qui sont dévoilés, par exemple, et chaque fois, ils rêvent qu'ils sont particulièrement dans un endroit qui a marqué le passage de leur vie pendant qu'ils grandissaient. Il y a des gens, par exemple, qui rêvent chaque fois qu'ils sont dans une case, ou bien dans un village particulièrement, qui a marqué le passage durant sa vie. Ces choses-là, je crois qu'il va falloir qu'on réponde là maintenant, d'accord, frère? Ok, d'accord. Maintenant, nous allons lire Ecclésiaste au chapitre 5. Prenons Ecclésiaste au chapitre 5.
Viré Châtillon, le verset 2 du chapitre 5 d'Ecclésias, qu'est-ce que ça dit? Car comme le songe vient de la multitude des occupations, ainsi la voix des insensés sort de la multitude des paroles. La frère Pierre lit le même verset. Je n'étais pas à la page. Ok. Le frère Willy Landro lit le verset 2 du chapitre 5 d'Ecclésiaste. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Amen. D'après ce que le... je crois que c'est le frère... Willy, tu peux couper maintenant le micro. Le micro maintenant. Voilà. D'après ce que le frère, notre grand-père André dit ici, il dit, vous pouvez songer à cause de la multitude des occupations. Pourtant, on a d'abord lu dans Job chapitre 33, verset 14, que les songes, Dieu parle par les songes, il met des sceaux à ses instructions. Prenons maintenant le livre de Joël, chapitre 2, Joël, le prophète Joël. Ou bien, si c'est compliqué, allons dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ah, puisse Dieu nous aider dans ce moment de la fin où il y a des situations vraiment dramatiques qui sont en train de nous arriver. Et là, on comprend attention à sa voix. Vous allez Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Lisons à partir du verset 14. Qui va lire alors? Actes. Oui. Actes 2. Chapitre acte 2, verset 14. Oui. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. C'est bon, mon frère. C'est bon. Alors, c'est vrai qu'on voit effectivement que les visions et les songes sont une promesse de l'Esprit de Dieu. Déjà, pour un temps marqué de l'histoire et du plan du Seigneur. Puisqu'il a dit ici qu'au dernier jour, il va déverser son esprit sur les serviteurs et les servants et ils vont prophétiser. Et là, il parle, parmi les prophéties, il parle des vieillards qui vont avoir des songes, des jeunes gens qui vont avoir des visions. Donc, c'est normal qu'il y ait des songes. D'accord, frère? C'est donc normal qu'il y ait des songes. Mais on se retrouve donc dans une ambiguïté telle que tu as dit de Dieu tout à l'heure, tantôt des songes qui viennent de Dieu et tantôt autre chose. Déjà, comment discerner déjà le songe qui vient de Dieu? Comment en discerner? On est tellement embrouillé aujourd'hui par des enseignements et par toutes ces choses qui nous ont été mentalement servies au point où notre cœur n'est pas disposé à l'écoute de Dieu. Maintenant, on va faire quelque chose. J'aimerais d'abord dire la première chose à savoir, c'est que ce qu'on fait avant de dormir importe pour les songes. Vous entendez ça? Amen. Regardez ce que le prophète Samuel, enfin, comment il s'appelle? On a lu dans Ecclésias au chapitre 5 tout à l'heure, verset 2, que les songes peuvent naître de la multitude des occupations. Multitude des occupations. Ça veut dire que toute la journée vous êtes occupé. Toute la journée vous êtes occupé. Quand vous allez voir quelqu'un qui va aller composer un examen,
Je veux que vous aussi, vous me racontez quel style de son cette personne peut avoir. Dites-moi aussi. Le son qu'il est en train de composer. Ou bien qu'il est venu, le résultat est sorti, il allait voir son nom, ainsi de suite des choses. Vous voyez, n'est-ce pas? Le son de cette personne, quand il a allé, il a entendu son nom, ou quand il voulait entendre son nom, on a enlevé son nom, ainsi de suite. Vous pensez qu'une femme enceinte, quand une femme est enceinte, quels sont les songes que cette femme enceinte aura chaque fois comme... Qu'est-ce qu'elle aura comme son chaque fois? Vous, les femmes enceintes, là. Sur l'accouchement, comment ça va se dérouler parfois au niveau de la grossesse et tout ça, là, par rapport à ce que le médecin dit aussi à l'hôpital, quand il va en visite et tout ça. Donc, les songes tournent autour de son état actuel, en fait. Vous pensez que les militaires qui sont en mission, pendant qu'ils sont en mission sur le terrain, vous pensez qu'ils dorment, ils rêvent de quoi? Combat. S'il y a un problème dans une entreprise et on dit à telle personne qu'on va licencier des gens dans cette entreprise, on dit par exemple que Carrefour va supprimer 500 ou 400 emplois cette année-ci. Et vous travaillez à Carrefour. Vous pensez quelles suggestions que vous pouvez avoir? Je vais chercher le plan B. Et donc, la Bible dit donc que les songes peuvent naître des multitudes des occupations. Vous voyez pourquoi le Seigneur a dit qu'on entraîne nos cœurs à la prière, n'est-ce pas? Regardez David et vous regardez à combien, comment il pouvait rester comme ça et puis le cantique lui vient directement à cœur parce que son cœur était gardé en Dieu. Vous voyez, son cœur était préservé. Dieu pouvait parler au travers de son cœur, de son être chaque fois. Maintenant, nous, ce qui conditionne notre environnement, nous conditionne au point où nous sommes conscients. Notre cœur est conscient plutôt de notre environnement. Quand notre cœur est conscient de notre environnement, nous sommes focalisés sur cette chose-là qui guide notre environnement. Et par conséquent, on est orienté. Même les prières sont orientées en fonction des circonstances qui nous sont présentées dans cet environnement. Quand nous rentrons donc en dormant, qu'on le veuille ou pas, et souvenez-vous, votre cœur ne peut pas rester neutre. Que vous le vouliez ou pas, vous pouvez dire non, je n'y ai pas pensé. Mais une injection qui a été faite dans ton cœur à l'issue d'une situation de la vie de la société, la vie sociétale, donne automatiquement à votre pensée la méditation, même sans votre avis. Et c'est parce que vous suivez. Oui. Ok, maintenant. Donc, quand vous passez toute une journée, les nouvelles que vous entendiez, ce que vous faites comme vous, tout au long de la journée pour qui meuble votre journée, une fois, deux fois, trois fois, ce sont des informations que vous communiquez à votre esprit. Et donc, lorsque votre intellect est dans le calme, lorsque vous êtes dans le calme, c'est-à-dire quand vous êtes livré à vos sommeils, comme la Bible déclare, vous êtes à l'état inerte par rapport à notre réalité terrestre. C'est-à-dire que sur le plan physique, vous n'êtes plus conscient. Là, maintenant, toutes les choses qui ont été enregistrées dans l'esprit peuvent être manifestées. C'est pour ça que les certaines personnes vont dire que j'ai rêvé un genre de rêve que je ne comprends pas, je n'ai pas de bouche. Tantôt j'étais ici, tantôt j'étais là-bas. Parce que ton esprit marche partout, ça te promène partout. Ce sont des choses qui sont injectées. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, il faut préserver son cœur des nouvelles de notre monde. Préserver. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les circonstances, nos environnants, nous conditionnent. Je vais continuer à expliquer ceci. Si vous me saisissez bien, je vais le dire. Au mieux, si vous ne comprenez pas, je dis autrement. Il dit, il faut préserver son cœur. Oui. Justement, je ne comprends pas très bien parce que c'est un peu ambigu. Si on a une situation, par exemple, qui nous préoccupe, qu'on présente au Seigneur, forcément, toute la journée, notre cœur sera... On aura ça en méditation dans le cœur. Peut-être, Seigneur, est-ce que telle chose, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire, est-ce que c'est ta volonté? Et le soir, quand on aura un songe, est-ce que c'est donc parce qu'on y a trop pensé ou c'est le Seigneur qui nous répond? Puisqu'il a dit dans la Bible que le songe peut justement venir à la nuit des obligations. C'est pour ça que je vais leur circonscrire ce que ça me dit. Quand je dis qu'il faut préserver son cœur de cet environnement-ci, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser les circonstances dicter notre direction de prière et nos émotions. C'est ce que je leur dis. Prenons un exemple. Pour vous, c'est bien ce que ça nous dit. Vous quittez le matin pour votre bureau. En quittant le matin, vous avez recommandé votre journée entre les mains du Seigneur. Pour faire dans vos activités normales que vous faites, vous quittez le matin en recommandant, vous priez avec les enfants, avec la famille, vous priez. Vous dites, Seigneur, je te recommande cette journée. Sois le protecteur de ma journée à la sortie et au retour. Que tout se passe selon ta volonté. Voici ce que vous avez dit au Seigneur. Vous arrivez au bureau,
on vous annonce des mauvaises nouvelles. Une autre signe de prière continue. Vous dites, oh Seigneur, que ça nous arrive. Ouais, Seigneur, ouais. Comment tu as laissé ces choses arriver? Vous oubliez qu'il y a cela quelques minutes, vous avez dit à Dieu que toutes ces journées soient sous son contrôle. Vous voyez, votre prière est orientée maintenant. Vous entendez que votre collègue ou bien quelque chose est en train d'arriver ou bien on va enlever telle personne de son poste. Le directeur a convoqué qu'on vienne dans son bureau parce qu'il y a une réunion d'urgence. La peur saisit le cœur et là maintenant, on utilise une utilité de prière continue. Vous voyez effectivement que vous êtes orienté en fonction de ce que vous entendez. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que vous entendez une situation, le cœur est dirigé par là. Vous entendez une situation, le cœur est dirigé par là. Or, la première prière que vous avez faite dans la journée, c'est la meilleure. Dieu doit être l'alpha et l'oméga de toutes circonstances de la journée. Ça veut dire que lorsqu'on a programmé sa journée avec le Seigneur, on compte sur le Seigneur pour l'accomplissement de n'importe quoi qu'il a voulu. Autrement dit, tout ce qui arrive au courant de la journée sont sous son contrôle. Ça veut dire que vous êtes avec votre collègue, les gens paniquent, vous ne paniquez pas parce que vous savez en qui votre journée se trouve, entre les mains de qui votre journée se trouve. Maintenant, vous êtes au bureau, on attend que votre fille a fait telle chose, votre enfant a fait telle chose, ou bien ton parent est tombé malade à tel endroit. Pourtant, le matin, vous avez signifié à Dieu de prendre le contrôle de cette journée. Je ne sais pas si vous me saisissez. Si nous ne canalisons pas notre cœur à ce que ça soit entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse diriger le cœur dans la voie qu'il a prévue, on sera dirigé à tout vent selon les circonstances et les situations qui nous arrivent. Et finalement, on ne doit plus prier. Mais là, vous voyez que toutes ces choses que vous entendez, qui sont comme les nouvelles qui vous arrivent, comme pour le cas de Job. Si vous lisez le livre de Job depuis le chapitre 1, vous voyez comment les nouvelles lui arrivaient. Lorsque vous avez toutes ces nouvelles-là, c'est pour ça que les gens sont surmenés, dépassés. Parce qu'ils se chargent des choses qui ne doivent pas se charger. En fait, si vous voyez quelqu'un qui met sa confiance en Dieu, il ne peut pas avoir cette crise d'AVC que les gens souffrent. C'est parce que les gens accumulent les choses en eux, accumulent les choses, les données. Les données sont accumulées, là, accumulées. Même une machine, lorsque vous avez saturé la RAM, à un moment donné, la machine va planter. C'est parce que vous saisissez. Parce qu'on accumule les choses, on accumule les déchets à l'intérieur. Le Seigneur a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc, il faut vider la machine. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il lui-même prend soin de vous. Et par conséquent, toutes ces informations qui nous viennent tout au long de la journée, parce que les informations ne sont pas là pour nous plaire ou bien pour nous faire du bien. Toutes ces informations qui nous viennent tout au long de la journée et qu'on prend, on met dans le cœur, ce sont ces choses qui créent des maladies en nous. Et plus tard, nous donnons donc les songes qui viennent. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, ça me dit un peu. Donc, ça veut dire qu'il faut se préserver son cœur de tout notre environnement. Que l'environnement n'ait pas d'effet sur nous. Et par conséquent, avoir une confiance totale et indéluctible entre les mains du Seigneur, de telle enseigne que quel que soit ce qu'il arrive, qu'on sache que c'est sous le contrôle du Seigneur. C'est de sa volonté que les choses arrivent, comme le livre de Lamentation le dit. D'accord? Le frère Willy veut parler. Oui, frère. Oui, vas-y. Parle. En fin de compte, pour moi, c'est... Pour moi, c'est essentiel, en fait. C'est essentiel. C'est-à-dire, tu es en train de parler, tu es en train d'expliquer un petit peu comment on fait pour savoir si c'est un songe de Dieu, etc. En fin de compte, on touche du doigt l'essentiel que moi, le premier, je ne fais pas. C'est complètement vivre avec Dieu. Complètement. C'est-à-dire que si on se lève le matin, qu'on fait notre première prière, et qu'on prend conscience avec son esprit, on prend conscience avec son cœur, et on part dans l'idée de vivre seulement avec Dieu, et bien involontairement, les choses vont se faire selon ce que Dieu veut. Absolument. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que ça m'est arrivé à des moments de vivre ces moments-là, c'est-à-dire d'être complètement dans les mains de Dieu. Et quand on a un problème qui commence à s'approcher de soi, quand on voit qu'il y a quelque chose qui va peut-être pas se passer comme on s'y attend, mais c'est le plus dur, hein, Et si on arrive, comme tu disais, à pas péter les plombs, à laisser tout décharger sur Dieu, et bien vous allez percevoir qu'il va y avoir un phénomène, de n'importe quelle manière, qui va faire que la chose va vous passer à côté. Et ce que je vous dis, attention, je ne le fais pas réellement en ce moment.
comment, d'accord? Mais je vous garantis que c'est ça, en fait. C'est ça, le secret. Il y a, le secret, c'est lire la parole, d'accord? C'est connaître la Bible. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, s'il y a bien deux choses à comprendre, deux choses qui partent, les deux points essentiels, c'est connaître la parole de Dieu et partir dans tous les jours, chaque semaine, chaque année de toute sa vie, c'est vivre selon ce que Dieu... on se remet à Dieu. Mes frères et sœurs, hein, attention, sans prétention, je dis ça, mais je vous garantis que c'est la seule chose à faire, bien sûr, et que c'est la solution. Mais je dis ça, mais comme je vous dis, attention, je suis pas le premier à faire ça complètement. Mais je peux vous garantir que involontairement, là, on est en train de parler depuis tout à l'heure, et en fin de compte, si vous prenez pas un peu de recul, vous dites, ok, d'accord, bon, le frère Junior, il dit ça. Non. Prenez du recul et on s'aperçoit que finalement, aujourd'hui on parle des songes, demain on peut parler d'une maladie, on peut parler de n'importe quel sujet, on en reviendra toujours à la même chose. Confions notre vie à Dieu. Et pour moi, c'est le plus dur parmi nous, le groupe, là. C'est-à-dire que quand je parle du groupe, je parle de gens qui ont conscience de l'importance, qui ont conscience que Dieu existe, qui ont conscience que la parole est importante et à connaître et à respecter. D'accord. Et je vous garantis que c'est, aujourd'hui, c'est pas tellement tout ça qui est important. C'est arriver à faire cette étape-là que le frère Junior est en train d'expliquer. Voilà. Merci. Merci. Merci, homme de Dieu. Frère Junior. Oui. Je pense qu'il a... Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Frère Junior. Oui. Oui. Je voulais aussi demander parce que moi, par exemple, dans mon cas, je songe beaucoup et c'est comme si mes songes ont des saisons, en fait. Donc, à une période, je vais songer beaucoup de quelque chose. Comme tu as dit, par exemple, se retrouver à un endroit, parce que moi, il y a particulièrement un endroit où j'ai grandi. Enfin, je suis quitté là-bas, j'avais peut-être 9 ans et j'y suis pu retourner. Mais je me vois beaucoup à cet endroit. Voilà. Je vois les choses. Permets-moi de dire ceci. Si vous, tous ceux qui m'écoutent et que vous voyez de façon répétitive dans un lieu particulièrement, il faut me contacter pour qu'on puisse parler de ceci particulièrement. Parce qu'il y a des captivités qu'il faut faire de façon spécifique. D'accord? Voilà. Maintenant, permettez-moi de dire quelque chose par rapport au problème des songes. Je veux que vous regardiez que le plus important de ce que je suis en train de dire ici, c'est ce qu'on fait avant d'aller dormir importe. Je veux, s'il y a quelque chose à retenir dans tout ce qu'on a expliqué là, retenez ceci, que ce qu'on fait avant d'aller se coucher, quand vous allez coucher, vous couchez là, ce que vous devez faire importe. Regardez, si vous lisez votre Bible dans Psaume chapitre 1 et comment ça s'appelle? Dans Josué chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Vous le faites le jour, la nuit. Il y a des gens qui dorment à l'issue d'une dispute. Ce n'est pas normal. Des gens qui dorment à l'issue de la colère. La personne a une colère, une rage, et peut se coucher dans cette colère. Vous ne devrez pas faire de telles choses. Lorsque vous voulez dormir, sachez que dans le sommeil, vous pouvez passer de l'autre côté. Et par conséquent, avant d'aller de l'autre côté, vous couchez, que votre corps physique se couche, arrangez-vous à ce que qu'il n'y ait pas de tâches. Parce que vous pouvez vous coucher sans vous réveiller. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette préparation à la prière vous prépare à des éventuels songes venant du Seigneur. C'est ce que je viens de dire, c'est que les multitudes des occupations qui nous accompagnent, parce que vous le voulez ou pas, toutes les journées, chacun sera occupé à une tâche particulière. Parce que vous ne pouvez pas vous soustraire de votre tâche journalière. Mais le problème, c'est que il y a un temps pour toute chose. Un temps pour faire cette tâche-là, un temps pour se mettre dans la présence de Dieu, un temps pour la méditation, un temps pour aller se coucher. Donc, le coucher dans la nuit pour pouvoir se réveiller l'autre jour doit être fait précédé d'une méditation dans la présence du Seigneur. Ça veut dire qu'on doit aller dans le lit sortant de la présence du Seigneur, au mieux dormant dans la présence du Seigneur avec le Seigneur. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous me suivez, mes frères? Amen. Ok. Amen. Maintenant, voici quelqu'un qui rentre du travail, il est fatigué. Il ne trouve pas le sommeil. Il dit, ok, je m'avais voir, Eurovision. Il s'assoit là-bas,
Il voit Eros, je vais voir un de ces films de Dracula, ou bien National Geographic. Il s'assoit, il voit, ou bien d'autres voient Trace TV, ou bien Fashion TV. Il voit ces choses-là. Dans l'optique, ça l'accompagne dans le sommeil. Vous voyez là où on en est. Pendant que vous êtes en train de dormir, la suite de l'événement que vous voyez, là, le Dracula que vous voyez là-bas, c'est lui qui vient dans votre sommeil. Maintenant, vous dites que vous voyez que vous êtes dans le scénario. Vous commencez à vivre le film. Au point où on voulait tuer quelqu'un, vous venez délivrer. Tu es devenu maintenant le gladiateur. Vous comprenez ce que. Vous voyez? On a des problèmes. On a des problèmes. Les croyants ne doivent pas être comme ça. Si on prenait assez de temps, vous pouvez aller dans la Bible depuis le livre de la Genèse, vous montrer ces choses-ci jusqu'à l'Apocalypse. Mais je le dis de façon sommaire, pour que quand vous allez rentrer à la Sainte Écriture, vous allez rencontrer cela. Prenons le cas de la naissance du Seigneur Jésus. Si vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 1, vous allez remarquer quelque chose à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. La Bible déclare que voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, étant fiancée à Joseph, est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit afin qu'ils habitaient ensemble. Joseph, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Vous voyez? Elle ne voulait pas discréditer Marie parce que Marie était, quoi, Marie était une bonne femme. La Bible déclare que comme il y pensait, un ange du Seigneur lui vint en songe la nuit. Vous voyez le sujet de méditation de Joseph avant d'aller dormir. Parce qu'ici, il s'agit de la sainteté, de la loi de Dieu qui doit être brisée. Il lui médite dessus. Quand il médite, Dieu entre en scène pour lui répondre. Regardez l'apôtre Paul. En fait, tous ces gens qui sont cités, je vais citer ces choses. Ça, c'est le songe que sont en train de voir. Mais il y a la préparation de la personne proprement dite à qui le songe vient. C'est un aspect qu'il faut travailler. C'est-à-dire, j'ai parlé de Joseph et de Marie. Là, je parle de l'apôtre Paul. Or, l'apôtre Paul a eu ce songe-là parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Vous voyez, Daniel a eu des songes parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il pouvait interpréter le songe. Joseph a eu des songes parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Ainsi de suite. Maintenant, regardez très attentivement que, un, le songe qui vient de Dieu a un but particulièrement. Et ce but-là se décrit dans ce que nous avons vu dans notre premier passage, dans Job chapitre 33. Dieu donne des avertissements. Il prévient l'homme de tout ce qui va arriver. Ce n'est pas normal donc qu'on tombe dans les situations. Il y a des gens dans les familles, avant que quelque chose n'arrive dans la famille, Dieu prévient toujours. Dieu prévient toujours. Dieu, parce qu'il a dit dans la Bible, y a-t-il que quelque chose qui arrive sans que l'Éternel ne l'ait voulu? Donc, s'il y a n'importe quoi qui doit venir, il y a des gens qui sont au courant. D'autres personnes le voient et c'est la réaction. Donc, je crois que c'est l'une des questions que quelqu'un a posées. Quelle devrait être notre réaction? Pour qu'on puisse voir notre réaction, comment agir, il va falloir qu'on comprenne ces choses-ci. On comprenne tout ce que je viens de dire en construction là, dès le départ. Maintenant, écoutez très attentivement. Lorsqu'on veut aller dans au lit, je dis ceci parce qu'il s'agit des songes. Les visions, vous ne pouvez pas contrôler les visions, ni quel moment ça doit venir. Parce que les visions pourraient rester comme ça. Comme ici, par exemple, le frère et quoi, Kamagat est en train de parler et puis quelque chose s'est passé en France. À l'instant où il était en train de parler, vous voyez, quelque chose s'est passé en France par rapport à un tremblement. Ces choses-là, non, c'est pas lui qui parlait. Quelqu'un parlait de la France là. Quand c'est le frère Willy qui parlait. Et puis, vous voyez, il a dit qu'il y aura un affaissement de terrain. Quelque chose va s'affaisser à Paris. Vous voyez, ça, c'est pas la, ça, c'est pas le songe. Ça, c'est pas le songe, quand vous dormez, vous êtes, il dit quand vous dormez, quand l'homme est livré au sommeil. Ça, c'est pas le songe. Quelque chose arrive là maintenant. Donc, je parle spécifiquement pour le songe parce que la majorité des gens, c'est quand ils dorment qu'ils voient les choses. Maintenant, lorsque vous lisez la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, vous allez voir comment l'apôtre Paul va vouloir aller de part et d'autre pour annoncer l'évangile. Dieu va refuser. Et lorsqu'il dorme la nuit, la Bible déclare que Paul, allons là-bas, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Que Dieu vous bénisse. Et c'est là, ça touche donc maintenant le problème de discernement. Le problème de discernement. Vous y êtes. Actes des Apôtres. Chapitre 16, à partir du verset 6. Ayant été empêché, vous y êtes tout le monde? Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Verset 8. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien. Lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Dieu, aide-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen.
Vous voyez effectivement comme que le prophète Job a raison d'écrire que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, lorsque le Saint-Esprit les a empêchés d'aller annoncer à Misie ou bien dans la Phrygie, l'évangile, il ne les a pas empêchés dans le songe. C'est physiquement qu'il les a empêchés. Vous voyez, il fait entrer en Asie, le Saint-Esprit descend, refuse. Ici, c'est quand il dorme la nuit que Paul a la vision de ces Macédoniens qui se présentent en disant « Passe en Macédoine et secoue-nous ». Lorsqu'il dit « Passe en Macédoine, secoue-nous », la Bible déclare qu'après cette vision de Paul, ils sont levés aussitôt, se dirigeant dans la Macédoine. Ils ont conclu que Dieu leur appelle là-bas, que la direction c'est pas là-bas. Pourtant, le Saint-Esprit les avait empêchés physiquement dans les deux cas. Ici, c'est pas la vision qui passe. Alors, donc, ça pose cet questionnement des visions et des songes pose question aujourd'hui par rapport à nous aujourd'hui. Pourquoi donc ceux des chrétiens qui étaient dans la Bible n'avaient pas d'ambiguïté lorsque Dieu leur parlait dans les songes? Pourquoi c'est nous? Ça veut dire que notre culture et notre définition même, notre relation avec le Seigneur, comme le frère Willy le disait, doivent être profilées. Nous devons arranger certaines choses d'abord. On doit être conscient de la présence de Dieu en nous. On doit être conscient de ceci. On doit être conscient d'être entre les mains du Seigneur. Parce que nous confessons Jésus-Christ comme notre maître, notre guide, celui qui nous conduit, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Mais quand on a un songe, on dit que ça peut venir du diable. Maintenant, pourquoi les disciples ici ne sont pas posés la question en disant peut-être c'est Satan qui en est venu détourner comme ça. Enfin, dans les premiers cas, s'ils avaient des empêchements à aller annoncer l'évangile, vous voyez effectivement que d'abord ça pose problème avec même l'étymologie même du mot évangile et la mission. Parce que la mission de l'évangile, c'est quand on part prêcher à toutes les nations. Mais ici, il veut prêcher à quelque part, le Saint-Esprit les empêche. Là, il pouvait même dire que non, si cet esprit est en train de parler, c'est que c'est le diable, parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on annonce à tout le monde. N'est-ce pas, mes frères? Mais là, ils ont compris que c'était le Saint-Esprit qui les empêchait. Pourtant, le Saint-Esprit dans la Bible dit prêcher à toutes les nations. Vous voyez, prêcher à toutes les nations, mais il y a un temps pour prêcher quelque part. Donc, il faut attendre son temps à lui pour agir. Là, ils veulent entrer, le Saint-Esprit l'empêche d'aller annoncer. Pourtant, l'évangile est censé prêcher là-bas. Mais ici, dans la nuit, ils ont une vision d'une personne qui est censée, et ils voient la figure de la personne, une Macédonienne. Passe à Macédoine, secoue-nous. Quand il se lève, quand il se réveille, il conclut qu'il faut se diriger en Macédonie. Mais la question, c'est pourquoi n'ont-ils pas posé des questions? Est-ce que ça vient de Satan ou bien ça peut venir de Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ici, c'est parce que ces gens sont conscients de la présence du Seigneur dans leur vie. Quand Joseph, le cas de Joseph qui est cité dans Matthieu chapitre 1, quand Joseph a eu ces songes-là, il n'a pas eu d'ambiguïté en disant que non, tout ce que tu racontes, ces histoires, je suis sûr que c'est ma chair qui a répondu. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une femme tombe enceinte sans être avec un homme. Parce qu'il avait tout de scientifique pour pouvoir accepter, pour pouvoir rejeter ce que le songe allait le dire. Et c'est pas jusque-là où vous me comprenez. C'est-à-dire que le songe que Joseph a eu, l'explication de l'ange qui vient lui parler dans le songe, c'était quelque chose que normalement, quand vous vous réveillez du songe, vous dites non, c'est sûr que non. C'est... Parce qu'il n'y a pas d'explication scientifique probable pour dire que non, une femme tombe enceinte sans avoir été touchée par un homme. Mais là, c'est quelque chose de particulier qui arrive sur la terre. C'est à lui que ça arrive. L'ange ne se présente pas physiquement devant lui. Il dit c'est dans le songe que l'ange est venu. Il pouvait se réveiller en disant que non, Satan va me convaincre d'accepter ces choses-ci pour aller me salir là-bas. Pas vrai? Mais lorsqu'il s'est levé, il a pris Marie, sa femme. Alors la question c'est, pourquoi donc les gens ont le songe de Dieu, laissent le songe de Dieu en priant pour savoir si c'est Dieu qui a dit? Eux ne faisaient pas de prière. La Bible déclare que quand ils se sont levés, verset 10 de chapitre 16, qu'après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine concluant. Maintenant, quand on se lève dans du son, on dit que ça vient de Dieu ou ça vient de Satan. N'est-ce pas, mes sœurs? Alors moi, je vous pose une question. Vous, maintenant, je vous pose la question. Pourquoi ceux-ci ne se posaient pas cette question? Pourquoi on est conscient des deux êtres-là, à la fois, dans nos marches relationnelles, dans les dons spirituels? C'est parce que cette question que vous posez sur le son, vous allez la poser aussi pour la guérison. Quand vous allez prier, peut-être vous pouvez prendre des médicaments là-bas, vous prenez le médicament, vous n'avez pas mal. Après, vous dites non. Le Seigneur Jésus guérit la maladie. Vous mettez la main, vous priez. Quand vous finissez de prier, après ça, quelques jours, vous ne sentez plus le mal. Maintenant, vous avez deux possibilités encore. Vous dites que c'est sûr que c'est parce qu'il y avait pris le médicament dès le départ que ça a fait comme ça là. Ou bien, parce que c'est peut-être le Saint-Esprit qui a guéri. Vous voyez, une fois de plus, on a l'ambiguïté. On ne sait plus si c'est le médicament qui a guéri ou c'est la prière qui a guéri. On a encore cette ambiguïté au niveau de la manifestation des dons spirituels. N'en parlons pour les prophéties. On a un problème. Il nous faut un nettoyage. Il faut une séparation entre notre conscience de vie péché avant.
lorsqu'on dit qu'on marche en nouveauté de vie, on doit être conscient que ce qui nous arrive, c'est le Seigneur Jésus. On doit être conscient de cela. Quand on est conscient de cela, ça va marcher. Sinon, comment pouvez-vous vous tenir comme ça en disant à telle personne que mon frère, ma soeur, il y a telle chose qui arrive? Comment pouvez-vous faire cela en étant sûr que ça va, que c'est celui qui en est de parler? Puisque quand vous voulez parler, il a dit quand vous ouvrez la bouche pour parler, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. C'est l'esprit de votre Père qui va parler. Comment être sûr que ce que tu as de vouloir sortir de ta bouche là vient de lui? Comment vous allez savoir? Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Il nous faut une réforme de notre intelligence. Il nous faut une réforme profonde de notre intelligence. Parce qu'on est plus donc conscient du mal tout autour de nous. Et toutes ces choses-là qu'on a toujours eu à appréhender. Regardez même les païens dans la Bible. Je dis même les païens dans la Bible qui ont eu des songes n'ont pas eu d'ambiguïté. Allons-y, juge. Juge, je vais vous montrer quelque chose pour que vous compreniez que les païens là dépassent les chrétiens d'aujourd'hui. Mon frère, est-ce que c'est pas parce que le mal est grandissant? Nous sommes, enfin, par rapport à leur période et maintenant, le mal est vraiment grandissant. Ça fait que maintenant, quand on en songe et que dans la réalité, par exemple, on voit tout le contraire, je sais pas. Donc, on est plus influencé par ce mal grandissant là que par. Là où le péché a abondé, la grâce a. Et puis, moi, je dis, c'est pas tous les songes qu'on n'a pas la certitude. Il y a des songes que c'est clair, on a la certitude que ça vient de Dieu. C'est un message clair. Là, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres songes qui nous posent problème, en fait. J'arrive, c'est là où on se trouve. Ne t'inquiète pas, mon frère. D'accord? Juge chapitre 7. Juge, je n'ai pas dit Jude, enfin, même si vous ouvrez Jude, vous verrez pas le chapitre 7. Juge chapitre 7. Que Dieu vous bénisse ce matin. Il faut qu'on soit conscient de la présence de Dieu, de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Quand on est conscient de la présence de Dieu dans notre vie, on n'aura pas les songes naissants de notre multitude. Mais souvenez-vous, ce qu'on fait avant de se coucher importe. Ce qu'on fait avant de se coucher importe. Est extrêmement important. Préparez-vous de cette façon. Entraînez votre cœur à la prière, comme on en a parlé là. Entraînez votre cœur à la prière. Vous recevrez les messages étant conscient. Vous recevrez les messages étant conscient. Entraînez-vous avant d'aller dormir. Vous coucherez, Dieu vous emmènera quelque part pour vivre, pour plonger dans votre esprit, pour mettre sa volonté. Chapitre 7, verset 1 et suivant. Jérobaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp des Madiens était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madiens entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Vous parlez de Dieu. « Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et en resta 10 000. » Vous voyez les hommes, non? Les hommes qui combattent pour Dieu. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Vous voyez, même pour aller en guerre, Dieu sélectionne les personnes qui vont combattre. Mais c'est terrible. Hein? Alors, c'est même pas le sujet, vous aurez été parlé de quelque chose en disant. Verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui la paieront, l'eau avec la langue, comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Verset 6. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Donc, vous voyez que ceci, avec la guerre, les méthodes de guerre de notre époque si conventionnelle, ça n'a rien à voir. Maintenant, verset 8 maintenant. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya les hommes, tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Le camp des Madiens était au-dessous de lui dans la vallée. Écoutez bien maintenant, à partir de maintenant, verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains
je l'ai livré entre tes mains. Verset 10. Si tu crains de descendre, parce qu'il était en haut, il a vu la multitude de Madian en bas. Il voit les armées. Dieu lui a fait la sélection de ces 300 hommes qui vont aller combattre. Il regarde là-bas presque 400 000 personnes qui sont là combattre. Il se tourne dans son camp, il voit 300. La chair humaine lui prend encore. Il dit, mais le type, c'est vrai, vrai. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Il regarde, Dieu sait ce qui se passe dans son cœur. Dieu lui dit, verset 10, si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra, ton serviteur. Verset 11, il lui explique, tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Verset 12, Madian, Amalek et tous les fils de Laurent étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Vous entendez le nombre de personnes contre qui 300 personnes doivent combattre. Verset 13. Gédéon arriva. Et voici un homme raconter à son camarade un songe. Écoutez très attentivement mes amis songeurs et mes frères songeurs. Gédéon arriva et voici un homme raconter à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu aider jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessus dessous et elle a été renversée. Écoutez son camarade. Son camarade répondit instantanément. Ils sont en train de causer. Là, Gédéon se trouve quelque part dans la brousse en avant-pause. Là-bas, il est en train d'écouter leur conversation. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Écoutez bien, ça c'est un Madianite qui parle. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Vous avez entendu? Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Amen. Amen. J'aimerais que vous m'expliquiez ce que c'est que d'où vient-il que celui-là puisse connaître que le gâteau d'orge représente l'épée de Gédéon. Là, c'est ça justement qui pose souvent problème, frère, d'interpréter les songes aussi. Et là, dans ce cas-ci particulièrement, il ne s'agit pas des peuples de Dieu. Lui-même, ce qui a eu le songe et l'interprétation va mourir dans quelques secondes. C'est un militaire ennemi. Donc, Dieu a donné le songe à un ennemi, donné l'interprétation à un ennemi et dit à son peuple que va écouter ce que l'ennemi va parler et l'interprétation que l'ennemi va parler et tes mains seront fortifiées. Et c'est Dieu qui a de lui parler. Il ne lui dit pas directement. Il dit à l'ennemi que donne le songe. Et le songe, ils vont se réveiller le matin. Ils vont faire, ah, peut-être ce sont les gardiens du songe, du camp. Ils attendent jusqu'à ce que Gédéon soit positionné à l'endroit où il doit écouter. Il parle avec le ton que Gédéon va écouter pour que le son puisse arriver à sa voix. Vous voyez comment Dieu contrôle toutes ces choses-là, n'est-ce pas, mes frères? Alors, les songes qui viennent de Dieu sont là pour accomplir sa volonté dans nos vies et dans notre environnement. Comme la Bible a dit dans Job chapitre 33, qui met le sceau à ses instructions. Maintenant, nous avons un rôle à jouer. Le premier rôle à jouer, donc, mes chers frères, donc c'est ça, c'est à cet instant que l'ambiguïté se pose. Notre environnement ne doit pas avoir l'influence sur notre cœur. Notre environnement ne doit pas avoir l'influence sur notre cœur. Au point où ça doit injecter des soucis dans notre vie. Si tel est le cas, nous allons plus être conscients des soucis et de ses méfaits que de la présence et de la bonté de Dieu dans notre vie. Si l'environnement injecte ses soucis en nous, nous sommes plus conscients donc par conséquent des mauvaises choses qui nous arrivent, plus que de la bonté de Dieu et de ses visitations dans nos vies. Vous entendez? Et par conséquent, on ne doit pas donc laisser que l'environnement contrôle nos émotions. Notre environnement ne doit pas contrôler nos émotions, encore moins dicter la direction de nos prières. Je ne sais pas s'il me fait comprendre bien. Père, fais-les comprendre ceci. Écoutez très attentivement. Notre environnement ne doit pas dicter nos directions de prière. Tu te lèves le matin. Tu veux aller prier. Tu te mets à genoux, tu remercies le Seigneur de ce qui arrive. Dès que tu sors de la prière, on appelle que ta mère est tombée malade. Seigneur, je prie pour ma mère qui est malade. Je prie pour ma mère qui est malade. Dès que vous finissez, on dit que l'enfant est tombé malade. Seigneur, je prie pour mon enfant qui est malade. Donc, après, on dit que le Cameroun va enfanter la douleur de l'enfant. Oh Père, Seigneur, je prie pour le Cameroun. C'est quoi cette histoire?
Ne laissez La pas. chair, c'est la chair. C'est la chair. Ne laissez... C'est pour ça que vous voyez, quand quelqu'un va rencontrer des pasteurs qui ont prié pour eux, ils attendent à ce qu'on instantanément dit, oh Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas le cri du Seigneur, Seigneur, aligner les phrases qui font à la réponse à la prière. Il faut que la prière soit inspirée du Saint-Esprit. Vous savez, n'est-ce pas? Parce que si Dieu ne dit rien par concernant une situation, ça ne veut pas dire que cette situation-là lui échappe ou bien qu'il ne veut pas en parler. Quand il ne dit rien, le silence, c'est un mot. Alors, les circonstances ne doivent pas diriger et dicter notre direction pour la prière. Sinon, on va prier en priant ce que Dieu n'a pas commandé qu'on prie et on sera en train de prier le bavardage. On doit prier la prière, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit prier au travers de nous selon la volonté du Seigneur. Si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance de ces choses. Oui, ma soeur. Je disais maintenant, parce qu'il y a aussi les songes concernant les personnes. Oui. C'est-à-dire, tu vois une personne, une seule fois, tu dors, tu vois les choses chez la personne. Soit tu parles avec la personne, tu dors, tu n'as pas pensé à la personne forcément. Tu dors, tu vois la chose, tu vois les choses chez la personne. C'est plus facile quand c'est des bonnes choses. C'est facile à dire à la personne. Mais quand c'est mauvais, moi, par exemple, j'ai du mal à dire à la personne que j'ai vu telle chose de mauvais. Je vais peut-être prier sans dire à la personne, mais quand c'est une bonne chose que j'ai vue, je vais facilement dire à la personne. Et maintenant, concernant aussi certaines personnes qui sont mortes, tu vois leur esprit captif peut-être dans leur chambre et tout ça. Je demande au Seigneur, mais pourquoi s'il est déjà mort, tu me montres encore là, il y a son esprit, ça ne sert à rien. Donc, du coup, je suis embrouillé dans tout ça, en Non, fait. non, non, je prends sur la dernière phrase que tu as dit là. Quand tu me dis à quelqu'un pourquoi tu me montres cela, il te dit là que le pourquoi. Non, justement, parce que je dis, mais ça sert à rien, la personne est déjà mort aussi. Pourquoi je vois les détails sur ça, si ça Ok. arrive? Donc tu vois que la Bible déclare qu'il met le sceau à ses instructions, pas à tes instructions, à toi. Donc ça veut dire qu'il a une chose qu'il veut te faire comprendre. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas nous qui faisons pour avoir les songes. Ce n'est pas toi qui fais pour avoir les songes. Maintenant, savez-vous qu'il Exactement. y a des gens que je rencontre maintenant, avec leur situation, des gens qui posent le problème maintenant, qu'en 2005, j'ai déjà reçu leur message à eux sans le connaître. Savez-vous cela? Savez-vous qu'il y a des gens qui ont des guérisons? Des gens dont dans mon cahier, c'est écrit que en telle année, tu vas rencontrer telle personne, telle chose va arriver, et tu vas dire telle chose. Donc, ils s'assoient là-bas, la personne s'assoit, vous voyez la circonstance redéfinie là maintenant. Et ça, parce que vous comprenez. Alors, je veux que nous comprenions une chose, il faut qu'on travaille avec le Seigneur. Gardez-vous à l'esprit ceci. Ce que nous faisons avant de dormir importe. Ceci, c'est la phrase, c'est grand, je ne sais pas comment détailler, si vous vous saisissez. Mais ça veut dire que il faut, notre façon de nous coucher, il faut qu'on travaille, on retravaille notre façon de nous coucher. Ça, c'est un. Et lorsqu'on se réveille, notre façon de marcher en journée doit être travaillée depuis le matin. Notre façon de marcher en journée doit être travaillée depuis le matin. Si vous le faites, vous allez voir effectivement que vous allez méditer jour et nuit. Mais c'est ça, n'est-ce pas, mes frères? Il faut désormais que les songes qui naissent de la multitude des occupations nous quittent définitivement. Et que, comme le Seigneur a dit qu'au dernier jour, il doit être censé avertir par les songes, les visions et au-delà, que ce soit ça qui soit manifeste au milieu de l'Église. Si on a ces choses dedans là, on sera épargné de beaucoup de choses. Vous pourrez dire à quelqu'un que ma soeur, Dieu m'a montré quelque chose sur toi. Maintenant, vous allez voir quand quelqu'un a un songe, il dit que ma soeur, il va te raconter, mon frère, il va te dire quelque chose. Ne prends pas mal, hein, je ne sais pas, oh, si c'est Dieu, oh, si c'est Satan, oh, je dis moi seulement, je peux me tromper. Mais tu as vu ou tu n'as pas vu? Tu as vu quelque chose? Tu as vu quelque chose? Raconte ce que tu as vu. Pas vrai? La Bible déclare dans ce livre de Genèse que celui qui a une vision raconte sa vision et que celui qui a reçu la parole de ténèbres raconte. Vous voyez, on est tellement, on n'est pas sûr si c'est le Seigneur qui parle ou si c'est Dieu qui a parlé, au point où on raconte. Mais vous êtes sûr, et là vous racontez quelque chose, la personne est étonnée en disant que, mais cette chose, elle raconte, forcément c'est Dieu qui l'a parlé. Cette autre personne maintenant reçoit la chose et dit que, hey, peut-être comme je parlais là, Satan a entendu, Satan a allé lui dire. Vous voyez qu'on est toujours plus inspiré que non, certainement, comme on parle là, il faut qu'il parle doucement, que Satan n'entende pas. Écoutez, quand Daniel, dans le livre de Daniel que nous avons lu là, quand Daniel est rentré, quand il causait avec Hajok pour savoir le pourquoi, Satan lui n'entendait pas. Hein? Il entendait.
Quand il est rentré, il disait à Michaël, à Ananias et à l'autre son frère, en leur instruisant que prions pour demander au Dieu le secret du roi. Satan n'entendait pas. Maintenant, les pasteurs disent aujourd'hui que non, pour prier, une prière pour que Satan n'entend pas, il faut prier en langue, n'est-ce pas? Donc Daniel est allé avec les Micha, avec les Michaël. Il lui a parlé en langue, comme ça, Satan n'entend pas, pour qu'il n'entend pas le secret de ce qu'ils sont allés demander pour aller prier. Et puis, quand ils sont allés dans la chambre, ils disent, n'est-ce pas, mes chers? Donc, il faut prier en langue pour que Satan n'entend pas. Quand on prie, ça crée un couloir, le feu autour de vous. Vous grandissez en esprit pour que Dieu n'entend, que seulement Dieu qui entend votre prière. Vous avez des problèmes. On a des problèmes sur cette terre-là. Quand le Dieu, attendez d'abord. Attendez, j'arrive. Quand Dieu lui a révélé, Daniel a-tu eu une ambiguïté que c'est peut-être c'est Satan, comme il a entendu nos prières, on est même chez les Cadéens, et ils servent Satan ici, grave, grave. Parce que même les satanistes ont dit que personne ne peut dire ce genre de choses-là, ce genre de révélations, n'est-ce pas? Daniel n'a pas eu de problème lorsqu'il a eu la révélation. Il savait, il a même rendu grâce à Dieu, pas vrai? Exactement. Il était conscient du Dieu qu'il servait. Maintenant, regardez son style de vie. C'est pour ça qu'il vous a parlé de cette personnalité. La personnalité de la personne qui reçoit le songe importe. Regardez, quel était son style de vie pour que puisse Dieu lui parler afin qu'il n'ait pas d'ambiguïté. Regardez son style de vie. Regardez le cas de Joseph Marie, l'époux de Marie. Regardez-le, on dit que c'était un homme de bien. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Regardez la vie de prière de Daniel. La vie de prière. Dans la prière et l'intimité, on apprend à connaître les voies de Dieu. Dans la prière et l'intimité, on apprend à connaître les voies de Dieu. Regardez très attentivement ce que le Seigneur dit. Il dit que les brebis n'entendront pas point la voix du mercenaire. Ils ne suivront point un autre. Ils fuiront loin de lui. Ça veut dire que l'approche du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie nous donne le discernement de discerner sa voix à lui lorsqu'il parle. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on demeure dans l'intimité pour apprendre à connaître la voix de Dieu. Quand on apprend à connaître sa voix, on commence à comprendre sa volonté, la façon de s'exprimer, comment il nous parle. Et là, on n'aura pas d'ambiguïté. Donc, en fait, il nous faut travailler notre intimité dans l'intimité. Notre relation avec le Seigneur. Vous voyez, Jésus dit, notre Seigneur, dans Saint Jean chapitre 10, que j'en ai cité, il dit que les brebis entendent sa voix. Elles ne suivront point un autre. Parce que dans ce verset, le Seigneur veut nous parler qu'il parle, l'ennemi aussi parle. Mais il dit, ces brebis vont entendre sa voix, ils vont le suivre, lui. Mais ces brebis ne suivront pas la voix du mercenaire. C'est-à-dire que le mercenaire a sa voix à lui. Donc pendant que le Seigneur parle, le mercenaire aussi parle. C'est ce que la Bible veut nous enseigner là. Et par contre, quand ceux qui sont des brebis du Seigneur vont écouter la voix du Seigneur et ils vont fuir loin du mercenaire, du mercenaire, parce qu'ils ne reconnaissent point la voix du mercenaire. Donc maintenant, comment donc entendre la voix de Dieu, ou mieux, comment savoir que c'est lui qui a parlé? Vous voyez effectivement qu'il faut être familier à la voix de son papa. Vous mettez un chien là, vous mettez 400 hommes là, et les 400 hommes parlent. Vous allez voir, quand le maître du chien va parler, même si vous avez attaché les yeux du chien, quand il parle, le chien remue la queue, parce qu'il a reconnu la voix de son maître. Malgré la multitude de voix, le chien commence à connaître la voix de son maître. Pas vrai, mes frères? Il faut qu'on apprenne à connaître la voix de Dieu. Regardez très attentivement que le songe que ce monsieur a eu dans le livre des Juges, chapitre 7, ce songe-là, Dieu n'a pas donné un événement clair comme un chat qui descend ou bien Gédéon qui est en train de courir avec les anges derrière, avec les peuples pour détruire Madian. C'est le gâteau au pain d'orge qu'il a donné comme ça. Ça roulait comme ça, ça a saccagé jusqu'au temple. Mais le monsieur a donné que ce n'est que l'autre chose que l'épée de Gédéon, Dieu, homme d'Israël. Dieu l'a livré, a livré Madian entre ses mains, le camp de Madian. N'est-ce pas, mes frères? En quoi est-ce que le gâteau constitue le paix? Vous voyez le problème qu'on en est, n'est-ce pas? Le frère Achille voulait parler tout à l'heure. Parle maintenant. Oui, je voulais demander, frère Gignon. Maintenant, disons qu'on s'est conformé, c'est-à-dire, avant de se coucher le soir, on se met dans la méditation. On ne va pas sur Facebook, on ne va pas sur WhatsApp et autres. Vraiment, on va se coucher dans le Seigneur. Mmh. On fait un rêve et puis le lendemain, on oublie. Maintenant, un jour, on se retrouve dans une situation, on se dit, ah, j'avais rêvé exactement ce qui est en train de se passer. Mmh. Comment justement se comporter dans le cas où on oublie des rêves? Ça, c'est voilà. Ma première question. Merci. Maintenant... Non, attends, d'abord, je réponds, puis je te passe la parole. Pourquoi tu réponds? Pourquoi on n'accumule pas les questions pour ne pas répondre, d'accord? Maintenant, regardez très bien ce qui est dit. Vous m'entendez là? Si vous m'entendez, faites seulement la même position. Oui. Suivez, il ne faut pas que je répète ici plusieurs fois. Voilà, maintenant, que Dieu vous bénisse. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour.
Que Dieu bénisse. J'ai dit, amen. La phase la plus importante, c'est la façon d'aller se coucher importe. Maintenant, écoutez encore ceci. Votre réveil est très important pour non seulement la journée qui vous est consacrée, mais dans la suite des jours. Votre réveil. Amen, amen. Votre réveil est aussi important de la façon, ces jours-là et les jours à venir. Maintenant, ça veut dire qu'il y a la façon dont de se réveiller du sommeil. C'est ça le problème. Mais regarde, regarde bien dans l'exemple. Ah, oh, mon Dieu. C'est Laetitia, que Dieu te bénisse, d'accord? Amen, amen. Non, maintenant, tu dois être à l'aise avec ces choses-ci maintenant. Vous savez, la sœur Laetitia à Yaoundé, et Dieu s'est fait... Non, c'est entre nous, nous pouvons comprendre ce qui s'est passé maintenant dans cette présence-ci, n'est-ce pas, ma sœur Laetitia? Amen, amen. Et tu peux voilà, savoir Dieu. Que Dieu est Dieu donc, maintenant pour ces choses-ci. Pas vrai? Amen. Alors, la voilà. Façon dont de se coucher dans un port, de la même façon, je crois, il y a des gens là-bas qui vont le contacter par la suite pour dire que la sœur Laetitia, dis-nous en clair ce qui se passe là-bas à Yaoundé. Mais la sœur Laetitia, ce n'est pas la question. Donc, je vous connais mes frères. Donc, écoutez très attentivement. Donc, le réveil importe, la façon de se réveiller importe, tout comme la façon de se coucher importe. Mais le plus important d'abord, c'est la façon de se coucher. Parce que dans la façon de se coucher, on se prépare à dormir dans les bras du Seigneur. La façon de se réveiller maintenant, on se réveille entre les bras du Seigneur pour savoir ce qui s'est passé. Donc maintenant, le frère dit, ok, on se couche, ok, supposons qu'on ait déjà bien fait le sommeil. On dort, on a un songe et on se réveille, on oublie. Donc si on oublie à notre réveil, c'est le problème du réveil qui pose problème, ce n'est pas l'oubli. Ça veut dire quoi, mes frères? Vous vous levez très tôt le matin. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a deux volets. Il y a l'éveil et il y a le réveil. Il y a l'éveil et il y a le réveil. Les deux choses ne doivent pas être confondues. L'éveil, c'est que lorsqu'on est conscient qu'on est dans l'environnement physique. Parce que quand vous dormiez, vous ne savez pas où vous êtes. Vous voyez? Ça veut dire que vous n'êtes plus conscient de votre environnement, de votre vie physique. De là où vous vous trouvez, avec qui vous dormez, ainsi de suite. Vous n'êtes plus conscient. Mais lorsque vous êtes éveillé, c'est lorsque votre conscience commence à revenir au point où vous êtes conscient de votre environnement. Vous pouvez toucher votre lit, toucher, vous savez où vous êtes, dans quel pays vous êtes, dans quelle situation vous êtes. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on se réveille maintenant, ça veut dire qu'on quitte cette présence-là pour commencer les activités normales. Donc, le problème de l'oubli du songe et ce qui s'est passé la nuit se situe entre le moment où on est conscient de cet environnement et de l'entrée dans notre activité. Voici encore là où on fait beaucoup d'erreurs. Vous vous levez par exemple à 5 heures. Vous voyez très bien que vous avez peut-être un bus ou n'importe quoi, ou une activité ou bien à 6 heures que vous devriez faire. Vous êtes préparé bien à vous coucher. Dieu vous a donné le songe de la nuit. Vous vous levez la nuit. Oh, les enfants sont arrêtés. Il faut qu'ils me... Voici votre première chose. Vous rêvez du lit. Ah, oh, il est quelle heure là? 6 heures. Waouh, je suis en retard. Il faut que je fasse toutes les choses des enfants. Frère, vous êtes fichu. Exactement. Vous êtes fichu. Et puis plusieurs fois, pendant que vous avez fait ça, en journée, waouh. Vous trouvez maintenant dans une circonstance, vous dites, ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça dans la nuit. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous ne savez pas comment vous réveiller. C'est vrai. Vous me suivez, frère? Donc, la manière de se coucher importe, la manière de se réveiller aussi est importante. Parce que la manière de se réveiller est importante pour cette journée-là et pour les jours à venir. Parce que les avertissements qui t'ont été donnés la nuit peuvent être des signes pour dire ne sors pas. Tu peux avoir vu quelque chose dont se dit ce journal ne sort pas. Mais tu te lèves, comme les activités sont plus attrayantes, parce que ça donne le héros, tu sors rapidement. Et quand tu arrives quelque part, tu vois des choses, des circonstances commencent à se positionner. Ça te rend, tu es conscient de cet environnement comme si tu avais vécu ce scénario. Et là, c'est trop tard. Tu sais que quelque chose est sur le point d'arriver. Vous voyez, mon frère. Donc maintenant, il faut donc faire travailler maintenant, non seulement son coucher, mais aussi son réveil. Mes frères m'écoutent, n'est-ce pas? Alors maintenant, comment donc se réveiller du sommeil lorsqu'on est allé dormir? Comment donc le faire? Voici donc comment ça doit se passer. Oui. Oui, je voulais dire, parce que là, je voulais dire avant que tu si c'est ce que je fais, parce que je n'ai jamais eu cet enseignement qui dit ça, mais instantanément, quand je suis éveillé, je reste d'abord calme dans mon lit, je ressasse d'abord tout ce que j'ai eu à voir dans la nuit. Donc, je fais le tri. Oui. Si ça, c'est de Dieu ou pas, donc je ressasse tout de suite, je ne vais pas me lever. Oui. Mais je vais d'abord me remémorer tout ce qui s'est passé oui. pour
tenir mes songes pour pouvoir raconter peut-être à mon mari. Donc, c'est ce que je fais. Je ne me lève pas brusquement du lit comme ça. Je prends d'abord le temps étant allongé pour ressasser tout ça dans ma tête. Applaudissons pour notre soeur. C'est la solution. Applaudissons. Même son mari n'applaudit pas. Son mari, même qui a voté, n'applaudit pas. Donc, voilà donc la façon dont de se réveiller. C'est comme elle a décrit là. C'est ça que j'étais sur le point de dire. Vous voyez, voilà le problème. Parce que si elle a vu ces choses la nuit, elle se lève pour aller s'occuper de son mari, de ses enfants et autres là-bas, il y a des éléments qui vont lui être cachés. Parce que c'est tellement subtil. Il faut que ça quitte le cadre spirituel pour se loger dans sa conscience. Et que sa conscience soit un avec sa, dans sa présence journalière. C'est à cet endroit-là que les songes se perdent. Mais ça se perd parce que ça n'a pas quitté l'autre dimension à une autre dimension. Mais le problème, c'est que ça se trouve toujours dans cette dimension-là. Et lorsque vous êtes embrouillé tout au long de la journée, ce n'est pas évident de rentrer dans cette dimension-là. Parce que dans cette dimension-là, on y entre avec le calme et la sérénité. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? C'est pour cela que quand ça arrive maintenant, la conscience du calme revient. Et puis vous vous rendez compte que vous avez vécu telle chose. Vous avez vécu telle situation. Même les mots, même les phrases sont suffisantes pour vous dire « Ah, j'ai entendu quelqu'un dire ces choses-là, cette requête, j'ai entendu, cette prière, j'ai entendu. » Il suffit qu'un mot, une musique chante quelque part et ça vous fait rentrer dans cette présence-là. Donc, comme ma sœur a dit, c'est comme ça qu'il faut se réveiller. Donc, ma sœur, dis-nous encore cela. Je disais que quand je me réveille, je ne me lève pas brusquement du lit. Mm. Je vais d'abord remémorer tout ce que j'ai eu à voir dans la nuit et je fais le tri. Mm. Donc, pour retenir tout, parce que si je me lève brusquement comme ça, je perds. Donc, pour retenir tout ce qu'il y a avec les détails et tout ça, c'est pour ça que parfois je peux raconter mes songes avec des précisions. Exact. Donc, et quand j'ai fini de mémoriser maintenant, soit si mon mari est là au boulot, je vais l'appeler, je vais lui dire... J'ai vu telle chose pour qu'il retienne aussi. Au cas où, si plus tard, j'oublie. Et comme je fais aussi, parfois, je dicte ça sur mon téléphone. Mm. J'enregistre. Mm. Au cas où, voilà. C'est comme ça vient. Donc, quand tu te réveilles, tu essaies de prendre, tu enregistres tes tâches exactement comme vous travaillez sur Word. Si vous travaillez sur Word, vous allez saisir un document de 100 pages, vous continuez à saisir. Sans enregistrer au fur et à mesure. Vous n'enregistrez pas s'il arrive qu'il y ait une interruption de lumière. Bon, c'est vrai que si vous n'avez pas d'interruption de lumière. S'il arrive que votre ordinateur pète des câbles ou pète des plombs, vous faites quoi? Vous perdez tout le travail que vous avez fait. Donc ma soeur sort quand elle finit de faire, elle met ça comme elle a dit, elle enregistre. Elle met ça dans l'espace de stockage. Et pour être sûr que son disque dur, si ça pète le plomb, elle a un autre disque de stockage externe. Elle dit ça aussi à son mari pour qu'il stocke aussi. Vous voyez l'espoir. Donc c'est ce qu'il faut faire. Gardez bien à l'esprit ceci. Lorsque vous vous réveillez, voilà ce qu'il faut faire. Quand vous faites dans cela, votre cœur est en constante prière parce que quand vous restez chaque fois, même si vous allez voyager, vous pensez à cette prière-là. À un moment donné, quand vous allez dans cet événement-là, vous êtes préparé par rapport à ces événements que vous avez vécu. D'accord, mes chers frères? Amen. Que Dieu vous bénisse. Il faut que je ne me prépare parce que le vol, c'est tout à l'heure. Donc, dans 45 minutes, 50 minutes, je serai à Douala et on pourra continuer la causerie. Oui. Ma question. Oui, oui, la deuxième question. Je disais, oui. Justement, il y a des rêves parfois qu'on effectue. En fait, j'ai effectué, c'était un rêve. Je me suis recouché, je me suis levé le matin, j'ai pensé au rêve. Oui. Disons pas que j'ai oublié, je l'ai mémorisé. Mais oui. Il y a des jours où je dors, je continue le rêve que j'ai fait. Oui, donc c'est la suite. Comme c'était la suite. Exactement. Mmh. Ça, c'est ma question. Comment est-ce qu'on procède dans ce cas? Ça, c'est celui-ci. Maintenant, pour l'autre rêve où je disais, quand tu as un enseignement, quand on rêve tout le temps d'école, oui. Que ce soit le lycée, l'université ou bien autre, ça veut dire que nous sommes à l'école de Dieu. Comment est-ce que nous devons procéder dans ce cas-là? Soit la Bible, soit comment nous devons nous entraîner, en fait. Amen. Quand Job a eu les réponses, quand Job a eu les problèmes qui lui sont arrivés et que les informations lui ont été données sur le plan physique, la seule chose à qu'il a dit, il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Le songe, les songes, nous ne sommes pas des initiateurs du songe. Donc, les songes sont initiés quelque part. On porte à notre connaissance, dans notre environnement, dans notre vie, dans notre esprit. Ces songes-là sont transportés dans notre esprit sans notre propre volonté, n'est-ce pas, frère? Alors, la personne qui a initié la chose, faisons-lui confiance, recommandons-lui notre cœur et notre vie afin qu'il profite son œuvre en nous au travers de ces songes-là. C'est ce qu'il faut faire. Donc, ça veut dire que si un songe vient, tu ne comprends pas. Comme le cas dont tu parles maintenant, tu dis que tu vois, il y a la suite du songe. Il y a des gens qui se réveillent même trois fois la nuit. Il dit, je m'en vais aux toilettes, je reviens, je continue le songe. Ce n'est pas toi qui as décidé d'entrer. Ce n'est pas toi qui as décidé de sortir.
Donc, alors, maintenant, ça veut dire que si tu n'es pas l'initiateur, okay. N'essaie pas de faire quelque chose. Il faut laisser la personne continuer son film. Quand il met pause, il dit, OK, on continue le film. Laisse-le jouer son film. Ce qu'il faut faire, c'est s'abandonner entre les mains du Seigneur. Donc, on revient à ce que le frère Willy a dit, de travailler la relation avec le Seigneur dans sa dimension. D'accord, mes frères? D'accord. La sœur Anne. Oui, vas-y. Oui. Je voulais poser une question sur... dans Jude. Oui. Dans Jude 22, 23. Oui. L'Écriture dit, reprenez les uns ceux qui contestent. Mm-hmm. Ce mauvais homme a les arrêts du feu. Oui. Et pour deux encore, elle est une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique. La tunique sur la chair. Tu ne veux pas lâcher, oui. Ça va. On ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Allô, la sœur Anne. Allô. Oui, parle près du micro. On ne t'entend pas. Dans Jude 22, 23. Oui, on a entendu la lecture. C'est la question maintenant qu'on n'a pas entendu. Quelle est la question? Comment on peut arracher un côté du feu? Pourquoi et qui on doit arracher? Bonne question. Arrêtez. Parce que tu as pris au verset 22. Tu as pris au verset 22. La Bible déclare que parmi les chrétiens, en lisant ce livre, les Judas, puisque c'est seulement un chapitre, la Bible déclare qu'il y a des gens qui font bon chair avec les chrétiens, passant au milieu de chrétiens. D'accord? Il parle de la séparation. D'accord, ma chère sœur? Notre don, il ne s'agit pas des chrétiens qu'on doit sauver du feu. D'accord? Et il ne s'agit pas du feu de l'enfer. D'accord, ma chère sœur? Donc, on va revenir là-dessus. Pourquoi on ne mélange pas avec ces choses de songes là maintenant? Sinon, on va commencer à avoir les visions de l'enfer là maintenant. J'avais une petite question. On va revenir sur la question de notre soeur ici dans un autre enseignement. Oui, la chère Oassé Laetitia. Je voulais savoir maintenant. Moi, la différence. Enfin, je ne sais pas si c'est des visions maintenant. Quand on est dans un état semi-conscient, peut-être soit on est en train de prier et à certains moments. On voit des choses même pendant deux minutes, mais on a l'impression que notre chair est en train de s'endormir. Je n'arrive pas encore à savoir ce que c'est. Ou bien même, des fois, c'est quand on est en train de s'endormir dans cet état-là, et on voit toute une scène. Mm-hmm. Et là, on se réveille, on n'était pas profondément endormi. Mm-hmm. Comme si on somnolait. Voilà, c'était même ça, dans la somnolence. On voit toute une scène qui se passe, mm-hmm. et on se réveille. Ça, c'est qu'est-ce que c'est donc? Ce qui se passe, ma chère sœur, c'est exactement c'est le même procédé quand vous dormez. La différence, c'est que quand vous dormez, vous n'êtes pas conscient de votre environnement. Mais lorsque vous êtes dans cet état-là, vous voyez que avant que ça ne vienne, c'est la partie. Pour que le songe passe, pour toucher votre être spirituel, il faut que votre chair en soit bousculée. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? La sœur Laetitia, tu m'entends? Je t'entends très bien, mon frère. Ok. Donc, lorsque nous avons la vision ou bien n'importe quoi, écoutons très attentivement. Il y a un retour là. Il y a un retour quelque part. Je pense que c'est chez la sœur Laetitia justement. Veuille fermer ton micro, ma chère. Excusez-moi, je suis. Excusez-moi. Vous m'entendez? Je crois qu'elle va se reconnecter. Le frère Pierre, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Mm-hmm. En fait, je voulais juste savoir quelque chose, oui. Par rapport à ce que la sœur Laetitia était en train de dire. Oui. Bon, je donne juste un petit témoignage. Hein, oui. Si, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un, ni... parce que bon, c'était un peu compliqué pour moi en fait. Oui, mais là tu vas parler à tout le monde là maintenant. Oui, là je parle à tout le monde parce que c'est le sujet. Amen. En fait, c'était sur le lieu du travail et pendant la pause. Donc pendant la pause, je me reposais sur une chaise et mon collègue était à côté. Lui aussi se reposait et bon, à un moment donné.
je commençais à me réveiller. C'était la période d'éveil. Donc, je commençais à prendre conscience que j'étais entre le sommeil et le réveil, en fait. Mmh. Et pendant cette période, j'ai vu le collègue qui était comme un gros serpent. Mmh. En fait, sa peau, c'était comme un gros serpent. Et j'ai voulu m'exclamer. J'ai voulu crier, quoi, en fait. Oui. Et ça a disparu. Mmh. Et depuis ce temps, il a commencé à se méfier de moi. Voilà. Je ne lui ai jamais parlé de ça. Et moi, je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un. Mais c'était comme un flash, en fait. C'était oui. un flash. Donc, tu as vu sa vraie nature. Et j'ai eu, bon, au départ, c'est pas que j'ai eu peur. Je me suis posé énormément de questions, même jusqu'aujourd'hui, quand on est ensemble, on parle que ça, ben, la question revient toujours. Disons, l'image revient toujours en tête et je me dis que qu'est-ce qu'il est, quoi, en fait. Bon, si ton. Et je ne sais pas si c'était un songe ou bien c'était un rêve. Allô, mon frère. Oui. Si c'était un songe ou c'était un rêve, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que ce qui a été donné pour que tu vois là-bas venait de Dieu et Dieu voulait te montrer quelque chose. Maintenant, je te pose une question. Si tu as envie d'aller dormir chez lui, tu iras dormir, frère. Non. Mais par contre, souvent, il m'invite d'entrer dans sa voiture et de me déposer parfois là-bas. Et tu acceptes, puisque là-bas, c'est une économie financière, quoi. Non, c'est pas ça, c'est pas courtoisie, parce que souvent aussi, moi, je viens aussi en voiture, donc ça fait que je suis resté amical et professionnel, et collègue avec lui, quoi, en fait. Mmh, c'est-à-dire que quand tu conduis, bon, quand il conduit, tu es devant lui, vous causez, tu le regardes, sachant que c'est le serpent, quoi. Je sais pas comment faire. La France dans la sainteté, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, et à dimanche, s'il plaît à Dieu, d'accord? Amen, amen. Je crois que lorsqu'il va arriver à Douala dans quelques minutes, je vais causer avec la famille d'Achille, le frère Mamadou, on va parler, le frère Yannick, le frère, la famille Landro également. Je crois que j'ai des choses à poser. Et puis ma soeur Anne. Donc, permettez-moi d'aller prendre mon vol, d'accord? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Junior. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Amen. Soyez Junior. J'ai pas eu la. En toi j'ai trouvé le salut. Comment mon frère? Il faut pas qu'on parle, quoi, en fait. Hein. Donc par rapport à tout ça, parce qu'il y a d'autres songes qui sont un peu plus compliqués. Oui oui, ok, donc on parle ça en privé ou quoi? En privé, oui. Bon, d'abord, maintenant, Zanou, tu continues, tu vis avec quelqu'un qui ne le sait pas, et donc tu es conscient qu'il ne le sait pas. Non, je ne vis pas, c'est juste que. C'est parce que. Ça, c'est juste un examen. Je dis, il y a d'autres songes qui sont un peu plus compliqués. Par exemple, comme tu as dit, les songes sur le lieu de notre naissance où c'est répétitif. Oui, j'ai donc dit que tous ceux qui sont là, contactez-moi, écrivez-moi dans le truc pour que je puisse savoir de tous ceux qui sont là, on travaille là-dessus, il faut que ça s'arrête, d'accord mon frère? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci, merci. Dieu, l'adoration. D'un cœur que tu as sauvé, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père,
roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé.
Bye bye, bye bye, bye bye. Bye, Julie.